son de SSB. SSB, les amis. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un grand jour pour mon compte, puisque comme vous le savez, on a commencé Epic Summon avec Madris, et bien sûr, les summons pour pouvoir invoquer Bellona Plage étaient déjà passés. Même pour Luna c'était pas possible de pouvoir l'avoir, puisque voilà, c'était une limited qui était déjà passée. J'attends ce jour depuis le début où j'ai commencé Epic 7, c'est-à-dire l'obtention, la summon, en tout cas tenter de summon, Seaside Bellona les amis, et je suis ravi, je suis ravi, j'espère vraiment qu'elle va tomber. Donc là au niveau de la summon, donc ce sera une vidéo, une petite vidéo tout simplement, summon, où je vais tenter d'avoir SSB et son artefact, puisque voilà, les deux m'intéressent. À savoir que voilà, j'aimerais bien avoir un artefact minimum et une SSB bien entendu, et ensuite économiser le reste si possible pour pouvoir justement invoquer tous les persos qui arriveront par la suite. Voilà voilà. Donc pour ce qui est de tout simplement regarder un petit peu au niveau des summons, on va regarder ce que j'ai comme signé à l'heure actuelle. J'ai 209 signés, 5600 piratiels. Au cas où ces signés là ne suffisent pas, bien sûr, et bien on ira chercher quelques signés avec ces gemmes là. Et puis on invoquera bien sûr les Moonlight, et comme vous le savez aussi, eh bien, avec l'arrivée de SSB, il y a ML Violet qui est sorti. Je suis à 40 invocations de la pitié, j'ai actuellement 1600 signés mystiques. Donc ça pour le coup, je ne sais pas si je vais les utiliser, je ne sais pas, peut-être que... On verra bien, je verrai bien sur le feeling, etc. Là à l'heure actuelle où voilà, je fais cette vidéo, je sais que je vais summon sur SSB. Si ça se passe bien, pourquoi pas invoquer sur Violet si je le sens bien, mais ça c'est pas sûr du tout. Voilà voilà, donc ça c'est un petit peu le programme les amis de cette vidéo. Et puis bon, on va démarrer tout de suite, et j'espère que du coup la chance sera avec nous. À savoir que j'ai reçu un maximum les amis de Lux sur Discord. Voilà, il y a plein de gens qui m'envoient leur Lux pour la vidéo justement. Merci à vous les amis. J'espère grâce à vous qu'on va pouvoir faire tomber au moins une SSB, au moins un artefact. Vraiment j'attends ce jour depuis si longtemps. Pouvoir jouer SSB dans ma box, ultra important pour que ce soit... vous connaissez SSB, hein, que ce soit pour mes contenus PVP ou PVM pour de la WoW23. C'est vraiment un perso que j'attendais, et pour le coup voilà, je suis ravi aujourd'hui de pouvoir tenter de la summon. Voilà, on va faire ça ensemble les amis. Ok, du coup les amis, on est sur la bannière de Bellona Plage. Et bien sans plus tarder, voilà, on aimerait bien aller chercher un petit nectar de Rengar, et ainsi que voilà, Bellona Plage bien entendu. Donc c'est parti, on va commencer, on a 209 signés. Auquel cas ça sera pas suffisant pour bien sûr aller chercher une SSB et son artefact. On continuera avec les gemmes. C'est parti. Allez, première brillance, ça commence bien. Remplir le journal des héros. Sometimes it's important to get some rest. J'ai fait une summon les amis. Une summon. C'est votre chance les amis. C'est grâce à vous, Maël, Krolo, Minamoto, Aydras, Veilin, Rengas. Oh là là, mais les amis. Oh, what the fuck. What the fuck. Une invocation. Qui dit mieux? Qui a fait ça, les amis? Il y en a tellement qui sont tombés sur le Discord, mais la tomber en une. En 5 signés. Et ben voilà, déjà il y a 50% du défi qui est réalisé les amis, à savoir obtenir une Bellona Plage. J'espère que de votre côté, voilà, ceux qui l'ont, ben du coup voilà, vous voyez que j'ai les SSB en 5 signés. La vidéo est déjà terminée je crois, en fait. Non, bien sûr, il nous faut l'artefact, bien sûr, je sais que ça va faire rager des gens qui ont essayé de l'avoir les amis. Et franchement, toute la luck voilà, emmagasinée depuis le temps que j'attends SSB, je vous l'envoie vers vous, c'est bon. C'est bon, j'ai ma SSB, j'espère vraiment du fond du cœur que vous allez la dropper de votre côté les amis. Bon là ça c'est incroyable ce qui s'est passé, vraiment je m'attendais pas à ça. Une SSB en 5 signés, c'est vraiment incroyable. Mais on va pas s'arrêter là, puisque j'aimerais bien aller chercher l'artefact justement pour pouvoir tout simplement stuff ma Bellona et la jouer de diverses manières. Donc Et ben voilà quoi.
La vidéo est déjà terminée. Incroyable. Bon, allez, on va continuer les amis parce que voilà, Bellona c'est bien, mais il me faut l'artefact. Il me faut l'artefact. C'est parti. Ah, oh, je suis trop content. En 5 signés, elle est tombée, c'est incroyable. Je m'attendais tellement pas à ça. Franchement, je suis trop refait. Je suis vraiment trop refait, donc là, peu importe ce qui peut se passer, c'est génial. Au moins, il y a une SSB qui est validée. J'espère vraiment de votre côté, voilà, vous allez invoquer SSB si vous ne l'avez pas. Voilà, je vous envoie toute ma luck, les amis, de loin. Alors, donc là, maintenant, il faut l'artefact, très important. Alors, pas forcément très important, hein, si vous ne l'avez pas, c'est pas vraiment grave, on va dire. Mais, en fait, l'artefact permet de jouer une Bellona, tout simplement, de diverses manières, voilà. Elle est jouée dans plusieurs compositions. C'est un perso qui est vraiment très polyvalent, justement, au niveau des compositions dans lesquelles, justement, elle peut se placer dans les teams. Et l'artefact permet, justement, d'un peu compléter encore plus de teams que SSB toute seule. Alors, donc ça brille. On veut que ça soit un pop à gauche maintenant. Le pop à droite était le bienvenu. Mais maintenant il faut l'artefact. Alors on va passer assez rapidement. Ah, il ne s'en veut pas. Tralala, mais une invocation. J'attends. En fait, je pense que c'est parce que j'attends ce moment depuis beaucoup trop longtemps que. Du coup ils se sont dit c'est bon, on lui donne. Alors, un pop à droite ou à gauche? Non, pas de pop du tout. On aime quand même bien quand ça brille. En plus Seed, voilà, je vais pouvoir améliorer son imprint au max. Là je crois que maintenant j'ai un. Là j'ai de quoi largement de faire un petit Seed triple S. Donc ça c'est vraiment bienvenu. Je prends. Alors, donc ça fera bien sûr l'émission, vous savez, monter des persos en triple S. Hop, ça brille pas, le portail d'Atma. Une petite brillance, franchement ça brille bien. Ça brille bien. Et maintenant c'est pop à gauche. Absolument, donc là au niveau de la page, là on voit que c'est potentiellement un perso. Ok, pas de pop. Léo, et bien Léo je ne l'avais pas. Donc c'est un perso en plus dans ma box tout simplement. Tant mieux. Bon, je vous avoue, je pense pas forcément le jouer, mais au moins c'est un nouveau personnage, ça complète la collection. C'est plutôt pas mal. Alors, garde royal de Taranor. Le tonfa, j'ai déjà deux tonfa maxés. Et au niveau des jokers aussi c'est pareil, donc ça j'ai plus besoin de rien. J'ai déjà tous les jokers. Alors, j'en ai trois quoi, trois montées en rupture max. Alexa, c'est pareil, ça c'est pour l'imprint, ça va me servir. Donc SSB qui finalement, je sais déjà ce que je vais en faire bien sûr. Je vais l'utiliser très certainement en PVP, donc ce qui va être mes contenus GVG, mes contenus aussi arène défense, que je compte bien sûr voilà, la m'organiser un petit peu plus autour de ça. Et puis bien sûr, elle me servira très certainement en Wyvern, donc très certainement à la place de ma garde de Taranor, pour pouvoir aller poser le boîte nef et un maximum de debuff, réduire la RNG tout simplement de cette Wyvern. Allez, une brillance. On aimerait bien un pop à gauche, vraiment ce serait appréciable. Alors, c'est potentiellement un artefact, et c'est pas un artefact, l'artefact de Bellona. Qu'est-ce que c'est? La lance d'Ilag est très bien. Ah, je suis vraiment content. Une invocation en 5 signés. Donc c'est bien, ça au moins, ça nous sécure une SSB. Et ce qui est bien, c'est que dans tous les cas, je veux aller chercher l'artefact. À la limite, si voilà, je suis vraiment pas chanceux sur SSB, enfin sur cet artefact, ben potentiellement pourquoi pas aller pitié une deuxième Bellona plage. Pourquoi pas. Donc il reste 69 signés, 5600 cristaux. Pour ce qui est des cristaux, voilà, je sais que c'est potentiellement worth aussi d'aller chercher des du reroll shop pour tout simplement aller acheter des signés contre de l'or. Pour ce qui est ma part, je vais pas faire ça. Je sais que c'est plus rentable si on veut justement beaucoup invoquer, mais pour le coup en ce moment j'avais déjà farmé pas mal de stuff. Puisque voilà, vous le savez, ma team Wyvern 13 roule toute seule. Et du coup j'ai besoin de mon or pour justement améliorer mes stuff etc. Donc je vais me contenter tout simplement de garder mon or et d'aller acheter directement les signés. Donc vous savez, par 950 gemmes tout simplement dans la boutique. Allez, on continue, 69 signés, c'est parti. On veut un pop à gauche. Auquel cas on a un pop à gauche rapidement, eh bien je pense qu'on s'arrêtera là. Mais si vraiment il est plus tardif, peut-être qu'on ira chercher une deuxième SSB. A voir aussi, de toute façon je sais même pas si j'ai de quoi pitié. Je ne pense pas. Remplir le journal des artefacts, eh bien ça paraît bon tout ça. Donc là, un pop à gauche,
Mais c'est pas sûr que ce soit l'artefact de SSB, il me semble. Et c'est bon! Le nectar de Rengar qui vient d'être débloqué, les amis. Eh bien, franchement, cette summon s'est déroulée à merveille. À merveille, tout simplement, bah, parce que... Oh, mais je pensais pas. Alors déjà, premier signé, incroyable d'avoir une SSB. Mais en plus, voilà, je sais plus à combien j'ai commencé la vidéo, mais vraiment avec très peu. Je m'attendais vraiment à devoir claquer toutes ces gemmes-là. Et finalement, j'ai eu les deux très rapidement. Donc là, ce qu'on va faire, les amis, c'est que là, je vois qu'il me reste encore voilà, 49 signés. Donc de quoi faire encore quelques invoques. Je vais personnellement aller donc là voilà, maintenant que SSB et son artefact s'est validé, je vais quand même aller chercher la petite pierre d'émission or ici pour pouvoir faire une petite summon moonlight avec vous les amis, et on ira se diriger juste après sur Violet. Voilà, donc je l'avais promis les amis, si ça se passe bien et je trouve que ça s'est passé à merveille, et eh bien on invoquera aussi sur les mystiques. Donc on va faire tout simplement, là je me demande là parce que du coup, SSB c'est terminé, je pense pas que, que j'irai chercher une autre pity, parce que voilà, je veux garder un maximum de gemmes aussi pour pouvoir finir, préparer tout simplement les bannières à venir. Vraiment, le fait que j'ai chopé la Bellona plus son artefact assez vite, ça m'a permis vraiment de pouvoir économiser ça, vraiment c'est tant mieux pour moi. J'espère vraiment que ça arrivera pour vous, justement la plupart d'entre vous, que vous arriverez à choper vos SSB et votre artefact le plus rapidement possible pour pouvoir économiser sur les prochaines bannières. Et donc pour aller chercher du coup ces 5 petits, cette dernière pierre d'émission or, on va invoquer tranquillement sur Céline. Voilà, Céline un personnage qui m'intéresse. Il y a aussi Lilibet qui m'intéresse énormément, mais bon, Céline ça me va aussi. Et puis voilà, c'est juste pour le fun on va dire, dépenser quelques signets pour aller choper cette dernière pierre d'émission or. Allez, c'est parti. Alors, donc Aether on s'en fout. Ah mais vraiment je suis content, je suis vraiment content. Donc là voilà, plus qu'une invocation et ça va être bon. Normalement on a les 5 pierres d'émission or. Enfin les 6 du coup. Hop. On va choper dans la boutique les signés Moonlight. Et on va claquer ces signés mystiques pour aller chercher ML Violet. Donc ça va être vraiment sympathique les amis. Donc, hop. On va faire ça. Ah mais aussi dans les courriers j'avais quelque chose à summon. On va faire ça tout de suite aussi. Je m'attends pas à grand chose là-dessus, hein. Voilà, panier à l'infini. Très très bien. Et on va continuer les summons, les amis. Franchement, la summon pour moi là, se déroule à merveille. Je suis vraiment ravi. C'est génial. C'est génial, franchement, je suis trop content. Alors, il y a l'invocation gratuite ici, on va la faire quand même. Voilà, voilà. Un max de brillance, un max de pop à droite, à gauche. En un minimum de signés, c'est ce qu'on veut. Ok, donc on a 5 signés, on va en faire les invocations lunaires, voilà, au cas où on est ML Violet, et puis ensuite on ira faire les mystiques, tout simplement. C'est parti. Ok, donc pas de brillance. Très certainement quelque chose qu'on en... Oh bah, non, si, finalement, c'est pas mal. J'en ai déjà un, je l'ai débloqué le premier, il n'y a pas si longtemps que ça, et puis, voilà, ça fera toujours de l'imprint. Et c'est parti. Donc ici, les amis, ce qui m'intéresse à récupérer, c'est bien sûr ML Violet. Armin Pourpre je l'ai déjà et Charlotte je ne l'ai pas. Donc auquel cas voilà il y a des brillances Armin Pourpre qui peut se débloquer, ou alors Charlotte ici ça m'intéresse aussi. Et puis, on va se rapprocher mine de rien de l'appétit tranquillement. Et puis voilà, le signer, j'ai 1600 signés, j'ai quoi faire quand même quelques invoques et puis voilà. C'est parti. Allez. Espérant qu'on ait un maximum de chance comme on a eu précédemment sur la bannière. Ça serait vraiment génial. Alors, le cube labyrinthique. Le totem de la forêt. Et qui dit totem de la forêt dit quelque chose de très bon par la suite. Vous connaissez. L'œuf d'illusion. Ah, je suis vraiment content. J'attendais vraiment pas à ce que ça se passe comme ça, les amis. Et là, pour le coup, je suis ravi. Alors, il est possible que... on va regarder vite fait le drop rate ici. C'est combien? Parce que, mine de rien... Alors c'est pas ici, c'est là. Donc c'est 0,6. Ah oui, donc c'est vrai. Donc Charlotte et Violet, j'ai le même pourcentage de chance de les avoir. Et Armin Pourpre, ainsi que toutes les O4 étoiles, c'est 0,9% de chance. Très bien. Allez, il reste 1260 signés. Et auquel cas, voilà, si on reset la pitié, c'est pas non plus gravissime. C'est un personnage que je trouve plutôt sympathique, hein, Violet. Donc, il me hype bien. Alors, l'œuf d'illusion encore une fois. Et ça brille. Et du coup, ça, c'est Armin Pourpre, c'est ça?
c'est un Moonlight, donc c'est forcément... je pense que c'est forcément... I'll decide for myself whether or not you yes. Et bah c'est bon. Et voilà. Oh mais incroyable, ils sont tombés les deux. Ils sont tombés les deux. Donc là finalement la pitié est reset, mais c'est bon. Et bah il est tombé. J'arrive pas à réaliser. Mon dieu, j'arrive pas à réaliser. En fait les deux tours sont tombés si facilement. Je m'attendais pas à ça. Du coup il me reste des signés ici. Il me reste même des signés ici. Il me reste 5600 gemmes. Je vous avoue les amis, je suis un peu sur le cul là. Je sais pas trop... C'est pas possible, c'est un rêve. Je vais vérifier ça dans ma box, mais... ça me paraît quand même assez étrange. Grade. Non, c'est pas possible. Violette, qui est juste ici, qui vient d'être droppée par le joueur français. En réalité, c'est... Et SSB, je vais quand même vérifier pour SSB, c'est... Incroyable, mais non. Est-ce que c'est vraiment ça qui vient d'arriver là? Est-ce que l'artefact c'est aussi réel? C'est incroyable, c'est incroyable. Je m'attendais pas du tout à ça, les amis. Vraiment, je vous avoue, voilà, j'en perds mes mots. Vous voyez les clés, je suis un peu confus, mais c'est incroyable. Je suis trop content. Je suis trop content. Et du coup, j'ai un maximum de taf, les amis. Je vais voir du coup monter cette Bellona plage le plus vite possible, tout simplement pour mes contenus Wii, pour mes contenus PVP. Et puis on va se build une petite team, je pense assez rapidement hein, quand même, pour aller justement taffer en RTA là. Donc là, voilà, j'ai des membres sur mon Discord qui sont prêts à me coacher pour faire un petit peu plus de RTA. Je me dirigeais tranquillement justement vers ce contenu là, puisque je commence vraiment à avoir de bonnes armes pour aller me battre. Donc Ruelle de Lumière qui est ici, Aravi Apocalypse, Violette maintenant qui a été droppée, donc des personnages qui, voilà, ça va être des bons joujoux. Eh bien les amis, j'espère que cette summon vous aura plu, que ça vous aura fait du bien aux yeux. Voilà, je sais que ça fait toujours du bien aux yeux de summon. Pour le coup, voilà, c'est génial. J'ai pu économiser tellement de gemmes, tellement de signés. Donc là, je suis bien pour les prochaines pitiés à venir. C'est juste trop bien. J'ai pas forcément trop les mots. J'espère en tout cas voilà, que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Ça me fait toujours super plaisir. Ça m'aide pour le référencement. Et puis voilà, c'est toujours cool. Franchement, c'est super cool de votre part, les amis, si vous faites ça. À vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de contenu sur Epic 7. Et puis on se dit à très vite, les amis, pour une prochaine vidéo. Bye. Mon pote, tu peux t'abonner, laisser un pouce bleu et ce serait vraiment insane. Si tu faisais les deux et tu peux même activer la cloche, avoir la notif et mettre un feu. Et nous notre nom c'est Madresse et Chani.